Salut à toutes! Alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo, donc ça sera encore un haul AliExpress. Donc cette fois-ci ça touchera pas du tout les ongles, ça sera vraiment un haul basé sur la beauté, donc le maquillage, les pinceaux et les accessoires, donc téléphone, batterie, etc. Donc je vais vous montrer tout ça maintenant. Donc on va commencer avec quelque chose que j'aime beaucoup, donc c'est le produit que j'aime le plus de chez AliExpress, que j'ai commandé depuis le début. Donc c'est une palette vraiment super bien faite de chez Too Faced, donc c'est la Chocolate Bar. Donc, comme vous voyez, donc elle est vraiment bien faite. Ça va faire... ça fait depuis décembre que je l'ai. Donc voilà. Et cette vidéo, je la tourne en juin. Je crois qu'on est en juin. Ah non, en mai. La meuf trop chez PR. Donc elle a le même miroir, les mêmes écritures. Voilà. Je l'ai reçue bien emballée. Elle sent le chocolat exactement comme la vraie. Il y avait le petit guide quand j'ai ouvert le carton. Il y a les écritures tout pareil derrière. Je vais vous swatcher un fard. Je vais vous swatcher le prune ici, là. Donc, voilà, vous voyez. C'est un très très joli prune. Hop. Même quand on en met sur le doigt, ça sent super bon, ça sent le chocolat. Donc voilà. Donc vraiment cette palette, je sais pas, je crois qu'elle a coûté 10 euros. Bon, c'est un peu cher pour du AliExpress. Mais la qualité est super, elle est vraiment très bien faite. Effet, je vous... Elle fait pas plastoc en fait, elle fait vraiment métallique comme la vraie. Donc voilà, je vous la conseille à 100% celle-là. Je vous mettrai le prix en barre d'infos comme d'habitude. Ensuite, donc je m'étais commandé plein de coques de téléphone. Donc là, j'en ai que 3 sous la main parce que j'ai pas retrouvé les autres. Donc, j'ai commandé une coque transparente. Donc là, il y a un aimant parce que c'est l'aimant de ma voiture pour l'accrocher dedans, mais voilà. Donc voilà, une coque transparente tout simplement juste pour m'en servir dans la voiture. Donc celle-là, elle a dû me coûter 70 centimes, quelque chose comme ça, voilà. Elle est très très pratique parce qu'elle est toute molle, toute souple, donc voilà. J'ai une coque que j'aime beaucoup mais qui est super compliquée à mettre en fait, parce qu'elle est vraiment hyper épaisse comme vous pouvez voir. Elle est super épaisse mais elle est trop belle en fait, c'est plein de petits cœurs et plein de petites paillettes. Voilà, mon téléphone c'est un 6S en fait. Donc voilà, c'est des coques de 6S. Mais vous pouvez en trouver bien sûr pour des 4, pour des 4S... pour des 7, enfin, n'importe quoi. Voilà, celle-là, elle m'a coûté 2,50€, je pense. Je me souviens plus exactement des prix, mais comme je vous l'ai dit, en barre d'infos, je vous mettrai. Mais je vous la recommande pas forcément, parce qu'elle est vraiment compliquée à mettre, et surtout compliquée à enlever, vraiment. À chaque fois, il faut que je mette d'un outil, et ça abîme le téléphone à force, donc... après, c'est vous qui voyez. Donc ensuite, pour finir avec les coques... J'ai une coque comme ça, super simple. Elle est pareil, elle est un peu rigide et du coup, bon bah, je l'ai cassée. Enfin, je l'ai un peu abîmée sur le côté. Mais voilà, elle est super belle. C'est des motifs un peu arabiques, je crois que ça s'appelle comme ça. Donc voilà, elle est transparente. Hein. Donc on voit là un peu la couleur du téléphone à travers. Et elle n'est pas souple du tout, mais bon, j'aime beaucoup cette coque. Elle est super classe. Et elle fait son petit effet. Donc voilà, elle a dû me coûter 1,20€, quelque chose comme ça. Ensuite... Donc pour finir avec le... Ah non, pas pour finir en fait. Donc pour le téléphone, toujours, je me suis commandé une batterie. Voilà, une batterie rose comme ça. Donc là, la caméra lui rend pas justice parce qu'elle est beaucoup plus rose fluo que ça. Elle est vraiment rose flash. Donc voilà. Donc il y a son petit bouton pour l'allumer. Donc là, elle a plus de batterie. Là, pour brancher le téléphone. USB, voilà. Et l'autre côté, il n'y a rien. Donc voilà. Je sais plus c'est une combien de mémoire, mais... Enfin, de... Combien de watts, je crois que ça se dit comme ça. En tout cas, elle est cool. Elle me permet de recharger mon téléphone une fois en entier et à peu près 20%. Je répète que c'est un iPhone, mon téléphone. Et à peu près 20% d'une autre charge. Donc en gros, une fois et un tiers de rechargement, quoi. Elle est vendue avec son petit câble. J'ai dû la payer 5-6 euros, je pense. Donc voilà. Et là, vraiment, pour finir avec le téléphone, je m'étais commandé donc, ce long câble. Donc, il y a en 1 mètre, 2 mètres, 3 mètres. Moi, je ne sais plus ce que c'est, mais ça doit être 1 mètre. Donc, voilà. Et il est rose gold, vraiment trop mignon. Voilà, comme ça. Et donc, pour iPhone. Voilà. Donc, il est super beau. Pas de problème. Je l'ai payé 1 euro, je pense. Donc, voilà. Donc c'est tout pour les téléphones, enfin pour le téléphone. Après je vais vous présenter quelque chose que j'ai adoré aussi pareil. Donc c'est des lunettes de soleil qui m'ont coûté 1,70€ je crois. Donc elles sont comme ça. Elles sont léopard avec la branche un peu
métallique ici et léopard sur la fin. Donc elles sont vraiment trop sympas, ces lunettes. Bon, bien sûr, elles ne protègent pas du soleil, il n'y a aucun indice UV, mais je vous les recommande tout à fait parce qu'elles sont vraiment super sympas. Et pour 70 centimes, bah, voilà, c'est des lunettes sympas que je laisse dans ma voiture. Voilà. Donc, encore, pour ma voiture, je m'étais commandé un petit porte-clés comme ça, c'est un petit pompon. Donc, je trouvais ça vraiment trop sympa. C'est une fausse queue de lapin, hein, c'est pas une vraie. Donc voilà, elle avait son petit anneau, je l'ai payé 1€ ou 80 centimes et elle est super sympa. Je l'ai lavée une fois en plus parce qu'elle est tombée dans la terre. Et voilà, elle est super mignonne, elle est rose, voilà, je ne vais pas payer cher. Enfin, c'est super cool quoi. Ensuite, je m'étais acheté. Ah ouais, je ne vais pas tout vous montrer aujourd'hui parce que j'ai vraiment trop de choses. Vous me direz si vous voulez encore un haul, parce qu'il me reste encore la moitié à vous montrer, mais bon. J'ai plein de paires de boucles d'oreilles. Mais je vais vous en présenter qu'une paire aujourd'hui. Donc ce sont des petits flocons comme ça. Donc ils sont trop beaux. Par contre, malheureusement, j'ai reçu la boucle d'oreille rouillée sur le... Je sais pas si on peut voir. Elle était rouillée. Mais bon, c'est pas grave, je les ai quand même mises. Hein. Je les ai désinfectées, voilà. Elles sont super grosses, bien brillantes. Moi, je les trouve trop trop belles. Elles m'ont coûté peut-être 45 centimes, quelque chose comme ça. Enfin, elles coûtent rien. Elles sont trop belles, elles brillent vraiment énormément quoi. Je sais pas si vous voyez, mais je les trouve vraiment super sympas. Donc je vous les recommande, pareil. Donc, après, ah oui, un truc que j'ai vraiment adoré, qui m'a coûté 3€, c'est une brosse visage. Donc là, je vous ai pris qu'un seul embout, mais en vrai, il y avait un embout pour râper les pieds. Ouais, c'est dégueulasse, il était déjà utilisé. Par contre, ça c'est le seul mauvais point, il était sale. Donc je pense que c'est quelqu'un qui l'a renvoyé pour se faire rembourser. Je vois pas l'intérêt de renvoyer un article sur AliExpress, mais bon. Bref, donc ça par contre c'était pas utilisé. Il y avait aussi un embout massage avec des petites billes et un embout un peu mousse pour démaquiller apparemment, mais bon c'est vraiment n'importe quoi, enfin ça démaquille rien. La brosse elle est rose et blanche. Il y a des vitesses, donc il y a la vitesse high, low et off, donc en gros forte, pas forte et teinte. Donc là voilà, vous mettez dans le petit embout la brosse et voilà ça tourne. Vous mettez des piles dedans, ah oui, je vais vous montrer un peu vite fait dedans. Donc elle m'a coûté 3,20€ celle-là. Voilà, j'ai mis deux piles dedans et elle est top, franchement, pour nettoyer son visage. Elle agresse pas du tout, enfin, franchement, je vois pas l'intérêt de payer une brosse comme ça à 50€ si vous pouvez l'avoir à 3€ sur AliExpress. Donc je recommande. Ensuite, je vais vous présenter, ah oui, en fait, je suis red dingue, j'ai vraiment une folie. Pour les extensions de cils. Donc sur mes deux précédentes vidéos, j'avais des extensions de cils. Là, j'en ai pas. Donc j'ai commandé plein de trucs. Tout ce que j'ai commandé, sauf la colle pour extensions de cils, je l'ai pas commandé sur AliExpress, bien sûr. Mais les extensions de cils, tous les autres petits trucs, j'ai commandé dessus. Hein. Ça craint pas du tout. Donc je m'étais commandé ça, déjà. Donc c'est pour démêler les extensions. Donc c'est des petits trucs jetables. Il y en a plein dedans. Je crois qu'il y en a 100. Et voilà, vous voyez, c'est un petit truc comme ça, un petit goupillon, une petite brosse, et puis ça démêle. Bon, ça, c'est pas tip top, hein. Je pensais pas du tout que c'était aussi petit, les petits poils, mais bon, ça m'a coûté 2€, 3€, bon, c'est bien, la boîte est pratique. Voilà, je vous recommande pas forcément, mais il n'y avait pas mieux sur AliExpress, donc... Et en boutique, ça vaut au moins 10-15€. Donc bon. Ensuite, je me suis commandé un petit lot de patch dont j'en ai déjà utilisé 2. Mais bon, il m'en reste... je crois qu'il m'en reste 9 parce qu'ils en avaient mis 11 au lieu de 10. Donc, hop, je vais en poser tous les autres. Donc voilà, en fait, c'est des petits patchs que vous collez là, sous les yeux. Et comme ça, vous évitez d'avoir de la colle sur les cils du bas, en fait. Sinon, c'est pas agréable, ça colle vos cils et la colle est vraiment super compliquée à enlever. Donc voilà, ça, le petit lot de 10, enfin de 11 du coup, je les ai payés, pas cher du tout, j'ai dû payer ça 1,50€, 2€ maximum. Donc voilà, donc ça je vous les recommande, ils sont top, ils collent bien. Et c'est la marque Dolly Lash, je vous remontre une dernière fois, voilà. Donc pour finir, je me suis commandé, ah oui, alors plein d'extensions de cils. Alors là je vous en montre que 3, mais en vrai j'ai... 9 petites boîtes comme ça. Donc alors ça, c'est mes préférés vraiment. Si vous voulez acheter des extensions de cils, vraiment achetez celle-ci. Donc c'est une courbe D, c'est du 15 mm et du 14 d'épaisseur.
Ils sont vraiment top. C'est des cils partis, je sais pas si je l'ai déjà dit. Ils sont bien noirs, bien souples, vraiment top. Donc ceux-là, je vous les recommande. J'ai dû payer 3 euros la boîte, je pense. C'est pas plus de 4 euros. Ensuite, j'ai pris cette boîte-ci. Donc ils sont top. Donc ça, c'est des arbres, en fait. Enfin, c'est par branche. Il y a plusieurs cils, en fait. Donc, les deux, c'est pareil, en fait. Sauf que c'est juste 11 mm et là, c'est du 12. En fait, j'ai pas pris pour faire plus naturel. J'ai pas pris la même taille. Donc ceux-là, ils m'ont coûté 1€ et 1,30€, je crois. Ils étaient pas chers, ils sont bien, ça va, je vous les recommande. Ils sont pas ouf, mais franchement, pour le prix, c'est vraiment super. Ils font bien naturel, ils sont bien souples. Et ils deviennent pas transparents, ils restent bien noirs. J'avais gardé mes extensions de cils la dernière fois, 3 semaines. Ils sont vraiment restés comme au premier jour. Donc je vous recommande ça. Ne les achetez pas en boutique, achetez-les sur AliExpress, c'est la même qualité. Juste la colle, faites super attention, mais sinon... Le reste, allez les yeux fermés. Donc ensuite, je m'étais commandé... j'ai tellement de trucs sur la table, je vous dis même pas. Je m'étais commandé un lot de deux, mais je vais vous en montrer qu'un seul. Donc c'était un lot de deux... comment ça s'appelle ça, au fait? Beauty Blender. Mais bon, c'est défaut, bien sûr, ça vient d'AliExpress. C'était 50 centimes le lot de deux. Voilà, il est super bien. Bon, par contre, il faut un peu l'appuyer sur le visage, donc c'est pas super agréable, mais... Il est doux, il se lave bien. Il gonfle pas à l'eau par contre, mais bon, c'est pas grave. Pour 50 centimes, je vous les recommande complètement. Ensuite. Ah oui, ensuite. Je m'étais commandé un kit Kylie Jenner. Voilà, j'ai jeté tous les emballages, désolée. Mais je peux juste vous dire que l'emballage était vraiment pas réussi du tout. Il est arrivé tout cassé, déchiré et... C'était pas... Enfin, il y avait juste marqué Kylie Jenner en gros dessus. Donc, je l'ai pas gardé, il était moche, quoi. Mais ce qu'il y avait dedans, c'était très intéressant. Donc, il y avait le petit crayon. Comme ça. J'ai pris la couleur Coco Kay. Et le petit gloss, comme ça, voilà. Super bien fait. Enfin, franchement, ils sont bien faits. Juste l'écriture, elle s'efface un peu. Mais bon, je vais vous faire un petit swatch. Je vais faire ici, hop. Donc, je vous fais un swatch du crayon et du rouge à lèvres. Vous allez voir que... Les couleurs, c'est top. Enfin, c'est vraiment les mêmes couleurs. Voilà. Donc là, on a le crayon en haut et on a le rouge à lèvres, enfin le gloss en bas. Donc il est bien mat quand il sèche. Juste la couleur, bon, je l'aime pas. Ça va pas du tout à ma carnation de peau. On dirait que j'ai pas de bouche en fait quand j'en mets. Mais une peau bronzée, ça pourrait faire super sympa. Ou au contraire, une peau vraiment très claire. Mais sinon, pour quelqu'un qui a une peau comme moi, je vous le recommande pas du tout. Hein. Ensuite, je m'étais commandé. Donc c'était un lot en fait de 3, j'en ai perdu un. C'était un lot de 3 Lime Prime, donc bon bah là j'en ai 2, ah non, le troisième est là. Voilà, un lot de 3 Lime Prime. Alors, donc il y avait la couleur True Love, qui sont vraiment trop bien faits. La couleur Scent et la couleur Cupid. Donc les brosses, alors ils sont vraiment trop bien faits, ils sont trop bons, je les adore. La brosse elle est comme ça. Je vais vous faire un petit swatch du Cupid. Les couleurs, enfin franchement, s'il y a un truc que vous devrez acheter aussi, enfin je vais vous dire ça pour tout, pour la palette Chocolate Bar, mais ceux-là franchement achetez-les, le petit kit m'a coûté 3€, voilà la couleur Cupid. Ils sont trop cool, ils sentent super bon, ils tiennent trop bien, ils sont vraiment bien mat. Enfin, franchement, ils sont tip top. Maintenant, je vais vous montrer un truc que j'ai pas du tout aimé, que je vous recommande pas du tout. Je sais pas s'ils sont tous comme ça sur AliExpress, mais c'est les Huda. Donc, je vais vous en montrer 4, mais c'était un lot de 9, malheureusement, que j'ai payé 11€. Donc, ça devait faire 1€ et des bananes le rouge à lèvres, quoi. Donc, voilà. Je vais vous montrer. Je vais après vous faire la comparaison avec un vrai. Donc, voilà. Pardon, il est à l'envers. Donc, j'ai la couleur Gossip Girl, Trendsetter, Vixen et Cheerleader. Pardon. Donc, je vais vous faire un swatch du Vixen. Donc, voilà, vous voyez, la brosse, elle ne s'essuie pas du tout sur le truc. C'est nul, quoi. Mais les couleurs sont jolies. Ça tient pas, ça colle. Ça fait des petits résidus. Ne les achetez surtout pas. Donc, voilà, Vixen, c'est la couleur la plus foncée sur mon bras. Et donc je vais vous faire une comparaison avec un vrai Huda donc, qu'une copine m'a offert, qu'elle a acheté chez Sephora. Donc déjà, la taille, donc ça n'a rien à voir. Le faux est beaucoup plus petit et beaucoup plus fin.
Les couleurs sont pas pareilles, donc c'est le cheerleader. Mais je vais vous faire quand même un swatch des deux parce que les couleurs sont pas si différentes que ça quand même. Donc, hop, je vais vous montrer ça tout de suite. Bon, juste le faux est un peu plus peps que le vrai, mais bon, voilà, le faux, le vrai. Ça s'éloigne pas non plus énormément, mais on voit la différence, quoi. Enfin, mais bon, pour 11€, on va pas se plaindre, mais je vous les recommande vraiment pas. N'achetez pas les Huda. Ensuite, je m'étais commandé deux Colourpop, en fait. Donc, si vous entendez du bruit, c'est mon chien qui gratte à la fenêtre. Donc, voilà. Alors, ils sont tip-top, ceux-là. Vraiment, je vous les reconseille à 100%. Je sais pas si je vous montre ça à l'endroit. Ouais, c'est bon. Voilà, le packaging. Donc, j'en avais commandé trois. Un pour une copine et les deux autres pour moi. Ils sont trop bien faits. Donc, il y a la couleur Limbo et la couleur Chitrice. Donc, je vais vous montrer la couleur Limbo. Hop. C'est un beau marron glacé, un peu rouge bordeaux. Donc voilà, je vous montre la brosse. Bon, c'est la même pour tous. Par contre, ils sentent pas super bon ceux-là, mais bon. Voilà, ils tiennent très très bien. Donc lui, il fait un peu noir, vraiment, il fait super foncé, quoi. Ils tiennent super bien. Bon, celui-là, non, celui-là, ça va, ils sentent pas mauvais. Il y en a un, il sent le vomi, clairement, il pue, mais bon. Ils sont super compliqués à enlever, par contre, bon, au moins ça tient, ça c'est sûr. Ils m'ont coûté peut-être 2€ l'unité ou 1,80€, je pense. Ils coûtaient un peu plus cher que les autres, ceux-là, mais bon, ils sont top. Ensuite, je crois qu'il me reste qu'un truc à vous présenter, ouais. C'est des pinceaux. Donc cette fois, j'ai été plus vite que les autres fois. J'ai essayé de me dépêcher parce que les vidéos à 20-30 minutes, personne ne les regarde jusqu'à la fin. Donc c'était un lot de 11 pinceaux, mais là, je les ai pas tous sous la main parce que la plupart, je les ai jetés. Donc les pinceaux sur AliExpress, c'est vraiment, vraiment je vous les recommande à 200%. Mais alors là, ce kit-là, il m'a coûté 2€, bon, on va pas se plaindre, mais bon. Donc il y a un pinceau juste qui est bien, parce que ses poils sont vraiment tout, vous voyez. Ça c'est un pinceau à fond de teint, il est top. On va dire qu'il fait très bien son job, donc voilà, c'est le seul. Ah non, il y a le goupillon aussi, on peut rien dire quoi, enfin c'est un goupillon tout simple, donc voilà. Celui-là je m'en sers. Sinon, ah ouais, il y a celui-là aussi que je me sers juste pour faire mon coin interne avec du blanc, quoi. Enfin, vite fait. Sinon, il y a des pinceaux inutiles. Donc, il y a ce pinceau-là qu'on trouve dans les palettes pourries là, qu'on a quand on était petit. Enfin, il n'y a aucune utilité à ce pinceau. Et il y a, ah ouais, ça. Donc, le pinceau, il est tordu. Ils sont tous pareils. Tous tordus. Donc, j'ai essayé de m'en servir pour faire mes ongles en gel. Mais même ça, ça sert à rien. Donc, c'est censé être des pinceaux pour les yeux, hein. Je leur ai trouvé aucune utilité, donc je sais pas, je vais chercher encore sans doute, mais j'ai rien trouvé. Et en fait, il me restait encore un dernier truc à vous montrer. Ah oui, donc les pinceaux, je sais plus si je l'ai dit, ils m'ont coûté environ 2€ et ne les achetez pas. C'est le kit qui est le plus en vente en plus sur AliExpress, je comprends pas. Ensuite, pour finir, cette fois vraiment, je crois qu'il reste plus rien du tout. Donc c'est un concealer en fait, enfin un cache-cerne. Voilà. C'est la marque Popfill. Comme les vernis que je vous ai présentés dans mon autre haul AliExpress, il est trop trop bien celui-là. Il m'a coûté 1€. Donc je vais vous ouvrir ça pour vous montrer. Donc c'est des petits poils comme ça. Je vais vous faire un swatch. Donc, voilà, il y a du produit qui sort comme ça. Voilà. Il est top. Il y a plein de couleurs. Il y a même du vert, du rouge. Enfin, il y a plein de couleurs. Tout ce que vous voulez pour faire du bronzer, enfin du contouring, enfin il y a tout. Et il coûtait vraiment pas cher, donc il tient super bien. Il sent la crème, il assèche pas du tout le contour de l'œil, ou au contraire il le graisse pas trop, donc il fait pas briller. Donc vraiment, je pense que ça vaut autant qu'un concealer, enfin qu'un cache-cerne qu'on peut acheter en boutique ou à Kiko. Franchement, c'est pour le prix, il n'y a rien à dire. Même s'il avait coûté plus cher, il est vraiment super. Donc ce truc-là, vraiment, vous pouvez y aller les yeux fermés. Il est en plein de marques différentes, donc il y a Popfill s'est remplacé par d'autres choses, mais apparemment c'est tous les mêmes produits dedans, donc je vous mets voilà, les ingrédients, mais bon je sais pas si c'est... De toute façon je vous laisse aller dire en l'envers, mais bon. Bon, de toute façon, je sais pas si c'est une vraie marque Popfill, que c'est une contrefaçon ou quoi, j'ai regardé sur internet, j'ai rien trouvé à part sur Amazon, donc je pense que c'est une marque inventée comme ça par les Chinois, mais bon, je vous la recommande à 100%. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à vous présenter. Donc voilà, j'ai les bras bien,
bien maquillée. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu encore une fois. Donc il me reste plein de choses AliExpress que je peux vous montrer, mais bon, je vais pas faire que des hauls AliExpress sur ma chaîne, c'est pas super intéressant. Si jamais vous voulez, bah dites-le moi en commentaire. Si cette vidéo vous a plu, pardon, n'hésitez pas à mettre un pouce j'aime ou à vous abonner à ma chaîne, ça me ferait vraiment super plaisir. Et n'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire. Je mettrai tous les prix en barre d'infos, plein d'infos en barre d'infos en fait. Donc n'hésitez pas à l'ouvrir et ouais, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Toutes les critiques, je les prends, qu'elles soient constructives. Bon, bien sûr, si c'est des critiques sur le physique ou inutiles, ça, le commentaire sera supprimé. Mais voilà, j'attends vraiment beaucoup d'avis en fait sur ma vidéo. J'aimerais bien savoir un peu comment progresser parce que c'est seulement ma troisième vidéo. Donc voilà, si vous avez quelque chose à dire, n'hésitez pas. Et je vous répondrai bien sûr. De toute façon, j'ai 3 commentaires sous ma vidéo et encore, je crois que 2. Donc, je peux très bien vous répondre. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu et je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut les filles !